2-2. Oh là 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 là. J'avais dit à deuxième mi-temps, mais. Oh là. Oh là. God damn. Oh là là là. Ça, c'est avec des champions, ça. 2-0. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. 95 plus 5. Michel, je t'ai dit quoi? 95 plus 5. La Champions League. Oh là 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 là. PLS. PLS. Si c'est pas la Champions League, c'est quoi? Ça fait deux soirées d'affilée. Merci mon Dieu d'avoir créé la Ligue des Champions. Merci mon Dieu d'avoir créé le football. Non. Et carrément hier quand Liverpool s'est qualifié là, je voulais acheter un ticket pour la finale. Bon, j'ai vu 3 000, 7 000 euros, je me suis vite ravisé. Mais là, j'avais annoncé sur Instagram, Tottenham se qualifie pour la finale. J'ai mis que Tottenham allait se qualifier pour la finale et j'ai bien spécifié, je l'ai spécifié, que Pochettino, ce coach... Hey, je parle pépon, mais il est intelligent. Il est vraiment trop intelligent. En deuxième mi-temps, il allait changer le cours du match. Et il l'a fait. Il l'a fait. J'en étais sûr. J'en étais sûr. L'Ajax, qui était déjà qualifié en arrivant sur son terrain à domicile, je savais que Tottenham allait se qualifier. Au match aller, ça se voyait déjà un peu. Car l'Ajax avait du mal face à Tottenham. Là, la seule chose que j'ai vraiment pas compris côté Pochettino, dans tout ce qu'il a fait, peut-être que ça peut être bon comme mauvais au final, ça s'est avéré bon. C'est qu'il n'est pas mis Llorente titulaire. Mais dang, Llorente à la Juventus, il était bon. Mais Llorente à Tottenham, c'est comme Lucas au PSG, il était bon. Mais Lucas à Tottenham, Sissoko juste avant là, je sais plus, à Newcastle il était bon. Mais Sissoko à Tottenham, non. Sans Harry Kane, sans leur meneur de jeu, c'était ce match. Pff, non. Il y a 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps. Vas-y, c'est plié, c'est barré. Carrément, je voyais même le président de l'Ajax, il était là en train de rigoler, sourire tranquille. Il était serein, il s'attendait pas du tout à cette fin de match. Puis tu vois cette remontada. Non. Oh là 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 là. Incroyable, mesdames et messieurs. La Ligue des Champions, c'est la meilleure Ligue des Champions de ces dernières années. Et clairement, dites-moi dans les commentaires, pour moi, Cristiano Ronaldo a clairement brisé l'équilibre de Ligue des Champions. En quittant le Real Madrid, ce club dans lequel il gagnait chaque année la Ligue des Champions, c'était soit finale, soit demi-finale. En quittant ce club, tous les dés ont été relancés et on peut le voir en voyant cette finale 100% anglaise. L'homme du match, l'homme fort de ce match, le triplé de Lucas Moura. Il y a un truc que je comprends pas, mais je crois que c'est qu'au PSG, les joueurs quand ils jouent au PSG, non. Le PSG, ils exploitent mal les joueurs, c'est pas possible. Pochettino, il récupère Lucas, il est pas titulaire de la saison, à part certains matchs. Il y a une bonne rotation, c'est pas titulaire, il joue 5 minutes par match, non, mais il y a une bonne rotation. Kane n'est pas là, Son, il est là, mais c'est pas le meilleur joueur du terrain. Lucas, il vient, il te claque un triplé, mais god damn, comment il a pris les 11 âmes du joueur à la 95e plus 16 minutes du match. Non, ce match-là... Ça me fatigue même d'en parler, mais ces dernières 48 heures ont été lourdes en émotions pour nous, mes amis footeux. Liverpool gagne 4-0 face au FC Barcelone. Et Tottenham élimine l'Ajax de la Ligue des Champions. Une équipe de l'Ajax qui a fait un parcours magnifique. Franchement, je suis joueur de l'Ajax, je suis en PLS et je suis limite en dépression. Ce qui est vraiment beau dans ce match et dans ce dernier carré, à part pour Liverpool, c'est que par exemple dans ce match, on peut regarder ce match sans être forcément pour un club en particulier, tellement Lucas a claqué ses premiers buts en phase finale de Ligue des Champions, un triplé. Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Est-ce le plus beau match de sa vie actuellement? Je le pense bien. En tout cas, on peut le dire, Lucas est rentré dans la légende de Tottenham. Il est rentré dans l'histoire de Tottenham. Celui qui n'est pas d'accord, mon Instagram, ScottStevenYNK, on va au débat. Je ne veux rien savoir. Llorente a énormément apporté dans ce match. Pour moi, c'est grâce à lui, en plus de Lucas, qu'ils ont éliminé l'Ajax Amsterdam. Vraiment, Ziyech, si c'est Ziyech, je dis pas de bêtises, dans les dernières minutes du match, quand il a raté, il a touché le poteau ou il a raté de peu, j'ai dit c'était fini. Je dis à mon père, Tottenham, ils vont passer. Et ils sont passés. Alors franchement, maintenant la finale, 1er juin 2019. Celui qui a un bon plan là pour trouver des petits billets pour aller à Madrid, ouais, c'est à Madrid, pour voir le match. Je suis pour, hein. Je suis pour, clairement. Liverpool-Tottenham. Pour moi, Liverpool va gagner. Cœur va parler, mais dites-moi dans les commentaires qui de Liverpool ou Tottenham va remporter cette Ligue des Champions. La Ligue des Champions de tous les espoirs. Franchement, cette Ligue des Champions, elle est... Oh là là, purée. Le foot, c'est...
c'est une dinguerie, sérieux. Laisse un like, abonne-toi, mais... Oh là 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 là. Purée, au nom de Dieu, c'est une dinguerie, foot. Ciao.